dans l'émission Kai Caraïbes. Je suis Jessie, alias Doudou Style. Pour ceux qui me connaissent, je suis street artiste graffeuse depuis plus de 15 ans, professionnelle donc, et je vais vous montrer comment intégrer le street art dans votre déco de maison. Suivez-moi. Donc je vais vous présenter Harry. Harry qui est le propriétaire de cette belle maison. Et là, on est sur un nouveau projet. Donc salut Harry, comment salut tu Doudou, vas? Salut Doudou, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va. Sur ce projet, Harry, je te propose du coup un beau portrait. Vous m'aviez dit que vous vouliez quelque chose de nature. Vous aviez vraiment flashé sur une fresque que j'avais faite en métropole. Et en Guadeloupe aussi. Et en Guadeloupe aussi, ouais. Avec mes portraits et tout, très féminin. Donc je suis restée sur un portrait féminin. Je t'ai mis quelques végétations. Les cheveux, tu avais proposé du bouclé. Tu m'as dit que tu préférais de l'afro. Donc ouais, on va partir sur un, voilà, sur un afro, tu vois. C'est ça, c'est ça. Pour représenter aussi un peu. Un peu le métissage, le côté afro-racé de la Caraïbe, pas de problème. Je t'ai rajouté aussi des petites fleurs. Et forcément, tu m'as dit que j'avais le droit de faire ce que je voulais. Absolument. Donc j'ai rajouté un panda. Obligé, c'est la signature maison. C'est ma signature. Le panda, ouais, est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de mon art. Quand on me demande pas de pas le faire, je le mets toujours un peu quelque part et je le cache. Donc Harry, bah les étapes pour commencer le projet, je vais bâcher tout le sol pour protéger quand même ton beau deck. Important, ouais ouais. Hein, quand même. Même si je dois travailler le travail. Mais si il faut travailler, ouais, on va quand même le protéger. Ouais, ouais. Une fois que j'ai fait ça, je vais installer mes échelles et tout. Après, je vais faire un quadrillage sur le mur pour t'expliquer un peu les étapes de création. Ce quadrillage-là, je vais le prendre en photo avec la tablette. Une fois que je l'aurai pris en photo, je vais superposer la maquette qu'on a travaillée ensemble par-dessus pour avoir en fait mes traits de repérage.